Nauti kotala TikTok ya Nana Ketchup swad auti koloba makambo ebele ko sena ebandeli na ye na fali ipupa. Batie PowerPoint pona kolakisa jeunesse na bango tiki lelo. Bravo eza histoire na yo mais ba changer ka histoire te on ne change pas l'histoire ni Nana Ketchup puisque on te connaît. On nous a donné biographie na yo depuis longtemps on a votre biographie dans la main. Nana Ketchup, on a ça. Nangina détaillé vidéo, yo bo tia ba like, ba tia ba like, ba like, ba like, ba j'aime, ba j'aime, ba j'aime et belé. O azape na esprit ya kokota na chaîne ou grandir na biso, a s'abonner na chaîne ou poto continuer longo. Et puis, soko za na suggestion, tia na commentaire. Naza ko finga ma fort mikolo yo. Mais en tout cas, je suis là pour ça. Je me suis dédié à faire des vidéos. Je suis prêt à recevoir aussi les coups ya ma finga. Nana Ketchup, tu vois que on vivra, c'est la vie de tout le monde. Il y a bateau, ba gagnant vie, ils ont grandi la vie directement aisé. Il y a d'autres personnes aussi qui sont passées par la galère. Nana Ketchup, tu es parmi les gens qui ont galéré dans la vie plus que tout le monde au Congo. Si tu connaissais Fally Ipupa pendant la galère, c'est bien. N'oublie pas que Nicky Menga l'a connu aussi dans la galère. C'est Nicky Menga qui a fait sortir Fally dans la galère en lui donnant des papiers. C'est grâce à Nicky Menga que Nana Ketchup est devenu aujourd'hui Nana Ketchup. C'est grâce à Nicky Menga. Puisque sans Nicky Menga, Fally n'aurait pas de papiers. Sans papiers, tu ne serais pas en Europe. C'est ça la réalité, on ne change pas. Maintenant, la vidéo ici, elle n'est pas cadrée sur cela. La vidéo ici, elle est cadrée sur votre vie passée. Parce que tu as tendance à forcer les gens à faire accepter les gens que c'est toi qui as commencé avec Fally, c'est toi qui étais avec Fally, c'est toi qui es l'amour de Fally de la jeunesse. Ce n'est pas toi. Si tu étais une fille de la rue, si tu étais une fille de couloir, comment peux-tu nous expliquer que c'est toi le premier amour de Fally si tu étais déjà dans les boulevards? Au moment que déjà tu commences à mentir, l'opinion, on peut même te traduire en justice pour des mensonges pareils. Quand tu es arrivé en Europe, Fally n'avait rien. Fally dépendait encore de Nicky Menga. Fally s'est débrouillé pour sortir de la pauvreté. Je félicite Fally puisqu'il s'est débrouillé. Il avait une vision, il avait un projet et il a montré au monde qu'il a été déterminé, le lois a fallu, parce qu'il a beaucoup travaillé. Je le félicite chaque jour pour ça. Mais Nana Ketchup, toi qui n'as pas voulu la galère de Fally, comme tu galérais déjà en Afrique, tu es passé par des couloirs, tu as été dans la rue, puisque tu étais dans la pauvreté extrême, je peux dire, en Afrique. Arrivé en Europe, comme tu as vu des lumières, tu as oublié que Fally t'a donné une grâce de quitter l'Afrique et t'amener en Europe. Tu as oublié ça. Vite, vite, comme Fally n'était pas encore stable, tu t'es jeté dans les bras de vieux blancs en Occident, c'est pas en Allemagne. Pendant que tu dis que l'amour de toi, tu es l'amour, il a fallu ce qui a nengenini. Pourquoi tu avais fui Fally pendant sa vie de détresse, pendant sa pauvreté, pourquoi tu l'avais abandonné et te jeté dans la main d'une autre personne, une blanche, un blanc? Il ne faut pas mentir l'opinion. Il y a des vidéos qui sont là déjà sur les réseaux sociaux. Tout le monde est censé d'écouter. On a écouté Sarah Toll, on a écouté, je ne sais pas qui, tout le monde les a écoutés, les vidéos sont encore là. Même la sœur Tina Ipupa l'a dit. Il ne faut pas mentir les gens. Nana Ketchup, je te salue d'abord en passant. Mais il faut dire que c'est une chance d'être à côté de Fally après même les déceptions que tu lui as fait, mais quand même il t'a accepté comme ça. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire que Bolingo Yakala, c'est comme si tu n'as jamais fait de l'infidélité. Tu l'avais abandonné puis au Kende Kobimana Munda Mundele. Tu es sorti avec Mundele. Et puis le blanc là t'a jeté.
puisque tu, oh, soi disant que tu demandais beaucoup d'argent, tout il t'a abandonné. C'est quand tu as vu, même c'est comme s'il ne t'avait même pas abandonné, tu avais des problèmes dans les foyers. Mais quand tu as vu fallir pour pas percer, tu as vu fallir pour pas entrer de réussir dans la vie, tu es retourné vers fallir. Et fallir avait peur de te laisser puisque c'est lui qui t'avait amené en Europe. Sinon, tu pourrais peut-être créer des problèmes. C'est pour cela que Fali était obligé à te reprendre. Mais tu penses que Fali est dans Zawana, à ta soki, aux hommes on a babosa ou c'est cassé. Tu penses que Fali a bossani que au tikaye na galère, tu l'avais abandonné dans les galères, dans la galère, pour aller te jeter dans les mains des blancs, des vieux blancs. Non, non, il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger les gens. Nous, moi, j'étais tranquille chez moi en train de boire, de siroter le jus. Et puis, je suis sauté sur des choses mensongères sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis un homme de droit, un homme de vérité, un homme qui recadre les choses. C'est pour cela qu'il n'y a qu'à recadrer Nana Ketchup. Tu veux mentir l'opinion. Il faut dire que, Nana Ketchup, je vais te dire une chose qui est pure et simple. Tu as été avec Fally. Au Congo, oui, au Congo. Et puis, tu ne l'avais pas, puisque tu étais une femme du quartier, d'avenir, je ne sais pas où là. Fally t'a pris de la galère. Il faut dire que tu étais ingrate envers Fally. Puisque Fally qui t'a tiré de la rue, tu l'as abandonné en Europe pour un autre main, un autre monsieur. Comme on dit toujours que le karma, comme Fally avait été ingrat avec Nicky Menga, toi aussi tu étais ingrat avec Fally. Il faut dire la vérité. Donc vous êtes des ingrats. Maintenant, c'est la fille là, Nicky Menga, qui est sortie victorieuse, innocente, et n'a jamais été ingrate avec qui que ce soit, puisque elle a aidé Fally. Elle a accepté l'aide. Kofi Olomide a amené Moupiko. Elle a amené une marchandise qui n'avait pas de valeur. Kofi Olomide, comme il est père à Nicky Menga, il a dit, ma fille, produit Oyo, ils ont une identité. Pesa yango identité. Nicky Menga, ayoki papa na ye, Kofi Olomide, a obitvie, na ko pesa yé identité. Nicky Menga s'est sacrifié à tiki jeunesse na ye, à tiki na ba classe, juste pour na ko pe sa valeur na produit à Kofi Olomide, ou soit autrement dit, Fally Ipupa. Et puis, Fally ingrate, et puis comme le karma est là, Nana Ketchup aussi a fait la même chose. J'étais maintenant Fally. Nana Ketchup, tu as été dans les bras d'une autre personne. Donc, tu as amené la malédiction à Fally. La chose qui vous unisse, comme tout le monde le sait, selon les réseaux sociaux, pas selon moi, selon les réseaux sociaux. Comme je puise des informations dans les réseaux sociaux, c'est ce que je vais analyser. Donc, comme les gens disent, toi et Fally, vous êtes liés à cause des fétiches, à cause de la musique. Mais s'il n'y avait pas de la musique, Fally ne serait pas avec toi. Nicky Menga avait refusé, selon ce que les réseaux disent, Nicky Menga avait refusé de toucher des fétiches pour protéger Fally. C'est pour cela que Fally était fâché contre Nicky Menga. Et heureusement que toi, qui n'étais plus dans le cœur de Fally, pour attirer une sympathie à Fally, pour pas aux gens qui obligé, tu étais obligé, y a condiment, d'accepter les fétiches de Fally, la protection de Fally. C'est pour cela que vous êtes ensemble. Tout ce que je suis en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est sauvre, puisque quand vous voyez les flashs, les vidéos de Nana Ketchup, elle prend les photos là où Fally est. Fally a toujours montré son indifférence envers Nana Ketchup dans des photos, dans des vidéos, dans des photos. La dernière photo, la vidéo qu'on a vue, Fally pour pas danser avec Nana Ketchup, Fally n'était pas intéressé. C'est comme si il était obligé de le faire à cause du public, à cause du monde, pour ne pas créer des polémiques. C'est pour cela qu'on a vu Fally se tenir devant toi.
Et l'autre, une autre chose, quand je vous ai parlé, on parle de gris-gris, de magie de Fali qui est tenue par Nana Ketchup. Regardez les événements les plus compliqués de Fali Ipupa. Vous verrez Nana Ketchup là-bas. Quand il fallait partir en Angola, il est parti avec. C'était un événement grandiose. Fali était là. Quand c'est stade de martyrs, Nana Ketchup était là. Quand c'est stade de Massamba Déba, Nana Ketchup était là. Là où il y a des choses de mystique, Nana est là. Mais quand il y a des concerts, des manifestations qui n'ont pas, qui ne sont pas vraiment, qui ne font pas peur à Fali, Nana n'a jamais été là. Et puis vous allez voir, Fali n'a jamais été dans chez lui. Falina, il dort toujours dans les hôtels. Fali n'a jamais passé une nuit près chez lui. Peut-être, selon ce que je vois, il est toujours dans les hôtels. Comment expliquer un monsieur qui a une femme soi-disant qu'il aime beaucoup et passer tout son temps dans les hôtels? Ça ne vous dit pas quelque chose? Nana Ketchup, les mensonges, si les réseaux sociaux n'existent pas, puisque tout est là. Maintenant, je mets à défi tous les paparazzi congolais, soi-disant que Binonde Boyebi Masolo. Bah, bazalaka wana pona kopé sa vérité, la vérité, bah, y'a Nana Ketchup. Vérité, ce qui y'a Moutounine. Bon, pe sa biso nanou, Moukolo Bomona, Nana Ketchup, aza chez elle. Elle est chez elle, en train de prendre même des photos. Ça n'existe pas. Elle a toujours pris des photos, des selfies là, comme à oblique, puisqu'elle ne veut même pas qu'on puisse voir chez elle. Chez elle, c'est comment? Ça ressemble comment? Puisque tout Congolais qui excelle bien, tout Africain qui excelle bien en Occident, il a toujours tendance de montrer sa réussite. Mais en tant que figure publique, bah, paparazzi, c'est l'état, il y a monde entier. On connaît chez tous les musiciens, on connaît chez Ferré, on connaît chez Koffi, on connaît chez Wera, on connaît chez Inosmi, on connaît chez Héritier, on connaît chez qui? Tout le Fabregas. Mais pourquoi on n'a jamais connu chez Fali? Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi on n'a jamais connu chez Fali? Prenez la photo de TikTok de son enfant, le garçon. Regardez comme il ressemble. C'est comme s'il a des problèmes mentaux. C'est comme si c'était petit qui n'est pas vraiment bon, qui n'est pas anormal, qui ne tient pas bon. Vous n'allez pas comprendre les vidéos de ces petits-là et les vidéos de la petite Kenya. Il y a là une grande différence. Il y a un enfant qui, soi-disant, elle est dans une famille aisée avec une fille qui se débrouille. C'est la fille qui se débrouille, elle est plus propre, plus calme, plus aisée que les petits garçons-là. Oh yo loba loba, je vais dire, ce sont des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je suis là, ma chaîne s'appelle Chronique du Net. Donc je fais la chronique sur les choses qui sont sur les nets. J'ai parlé sur les gens qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai parlé des Makossos, j'ai parlé des Camerounais, j'ai parlé des Rwandais. Pourquoi pas Fali? Faut pas me poser des questions bêtes, hein? On a loba quitté. Ce qu'on partage vidéo, tu dois partager, tu dois liker, tu dois commenter, si tu m'aimes. On se revoit à la prochaine. Bye. Bisous.